Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo rapide où je vais aller voir comment se porte le Disney Village en ce temps de réouverture post-Covid. Voilà, donc comme on peut voir au niveau de World of Disney, il y a toujours le même protocole, hein. Sticker, une entrée, une sortie, on se croise pas, du gel hydroalcoolique à foison, voilà, plexi au niveau des caisses. Que les castes désinfectent très très régulièrement. Là on peut voir que Mulan ne sera jamais sorti le 25 mars. Malheureusement, donc Mulan c'est toujours la grande interrogation. On espère, ma chère Mulan, que tu auras le succès que tu mérites. Donc on peut voir que merci Hercule. Que les petites cahutes sont ouvertes. Chez Annette, bah pareil, c'est ouvert avec toujours la distanciation. Hein. Annette Diner fait partie des restaurants qu'on peut réserver via la mise à jour de l'application. Hein. Voilà, alors je sais pas si là j'avais regardé pour tester le service de réservation de l'application officielle de Disneyland Paris, mais aujourd'hui et hier c'était pas disponible. Donc les points de vente et les restaurants qui sont ouverts sont vraiment ceux qui sont en partenariat ou détenus par Disney. Parce que comme on peut voir, Ludwig et Planet Hollywood ne sont pas ouverts. Disney Store. Ah, la fête Iron Man. La musique qu'on entend, c'est le thème d'Iron Man. Thème que j'adore. Le sports bar est ouvert également. Est-ce que le Starbucks aussi? Billy Bob, ça n'a pas l'air. Le New York style sandwich également. Et comme on peut voir, jolie affiche. Il dit There is no magic without you. Welcome back. Très belle affiche. Je crois que Rainforest non plus n'est pas rouvert. Alors tiens, oui, je vais pousser quand même plus loin pour regarder le panorama Magic. Car pendant la fermeture, il a été ça a été changé, hein. Il a été updaté. Voilà, il y a des nouveaux visuels. Hein. Et là qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, tiens, Disney Village. Là, je pense que c'est encore. Oui, c'est encore des ventes privées. Est-ce que le Earl Sandwich est ouvert? Non, malheureusement. Non. Ouais, Rainforest est fermé également. Donc le nouveau Panorama Magic a repris son volume, si je puis dire, la montgolfière. Et comme on peut voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mais donc en gros, on a Buzz l'éclair qui a fait son apparition sur la toile. Et puis sans doute la fée Clochette également. Et après, bah, le reste des hôtels Disney. Je crois qu'il n'y a que le Newport qui a rouvert, hein, si je ne m'abuse. Tous les autres hôtels, pour l'instant, sont fermés. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette petite vidéo sur le Disney Village. Voilà.
Comme ça, vous avez une petite idée de l'ensemble du resort. Le parc Disneyland, le parc Walt Disney Studio et le Disney Village, voilà. Si vous avez l'intention de revenir à la réouverture, voilà à peu près la situation actuellement. Donc je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à liker, commenter, mettre un pouce up ou down, ça c'est vous qui voyez. Et à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous, wash your hands et je vous souhaite plein de moments magiques.